Il a effacé, il a réussi à effacer cette terrible désillusion d'Athènes et Yann Kuchra, où il aurait, s'il n'y avait pas eu ces problèmes, ces nombreux problèmes avec les juges, eh bien il aurait obtenu une médaille. Malheureusement, il a terminé sixième. Ils étaient quatre avec une note de 9,762. Finalement, la médaille de bronze est revenue à Li Xiaopeng, le chinois, et Yann Kuchra, eh bien, s'est remis au travail. Il a remis le couvert pour repartir sur le circuit. C'est bien ce qu'il fait. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Hein. Il n'y a pas de faute. Ah, attention à la sortie. Ouais, petit sursaut, mais c'est bien enlevé ce mouvement. C'est bien enlevé Yann Kuchra qui, effectivement, vous l'avez dit, après les Jeux Olympiques, s'est remis au travail à l'INSEP. Alors qu'on voit ici Anatoly Vorontsov, son entraîneur de personnel de Lyon, originaire du Pôle France de Lyon. Il est monté à l'INSEP pour faire ses études de professorat de sport. En tout cas, les jeunes qui l'auront comme prof de sport, ils auront de la chance. Voilà, regardez ça. La 712, super. Et pour l'instant, il est en finale. Yann Kuchra, il a le sourire, c'est génial. Ça confirme quand même la bavure des Jeux Olympiques au bar parallèle.